Vite! Je suis à ton service. Je suis le roi de la gonflette. Je sais me contenir! Imiter mais pas limiter! Et jamais reproduire! Reproduire! Le génie de la lampe! Allez, voici en direct de la lampe pour exaucer tous vos souhaits. On l'applaudit. À vous, Simone. Merci. Trois, pour être précis. Fais une croix dessus si t'espérais m'en demander plus. Basta! Trois, uno, dos, tres, ni repris, ni échangé, ni remboursé. Quasiment, il y a un ou deux alter ego, deux ou trois, c'est quoi de non. C'est-à-dire règle numéro un, je ne peux assassiner personne. Pierre, laisse tomber. Règle numéro deux, je ne peux malheureusement pas obliger les gens à tomber amoureux. Ah. Petit canaillou, va. Règle numéro trois, désolé, mais je ne ressuscite pas les morts. C'est un manque de savoir-vivre, je trouve c'est dégoûtant. Je ne balance que les majordomes, Alfred. Mais regardez, il y a eu deux cambriolages de compagnies pharmaceutiques cette semaine. Il n'y a pas eu de blessés. Mais des produits toxiques ont été dérobés. Auriez-vous quelques soupçons, monsieur? Il n'y a qu'une façon de le savoir. Je sens que je vais devoir annuler votre rendez-vous avec la jeune actrice, monsieur. Exactement, Alfred. Elle attendra. L'autorité locale, voilà qui tombe vraiment à pic. Je suis Buzz l'éclair, ranger de l'espace, protection universelle. Mon vaisseau s'est écrasé ici par erreur. Ouais, il y a erreur sur la comète, parce que ce lit est à moi, tu es dans mon domaine. Je dois réparer mes turbofusées. Vous marchez encore à l'ordinaire ou vous avez découvert la cristofusion? Bah, on fonctionne au pile alcaline. Oh, attention! Ah, halt, qui va là? Ne tirez pas, pitié, ami! Connais-tu ces choses informes? Oui, ce sont les jouets d'Andy. Bien reçu, autorisation d'accès. Je suis Buzz l'éclair, je viens en paix. Dans les journaux, il n'y avait pas de publicité pour les tueurs. C'était mon métier. Ex-flic. Unité Blade Runner. Ex-tueur. Attendez. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe ici? Depuis que je vous ai rencontré, j'ai failli être incinéré, noyé, flingué et découpé en petits morceaux. Nous sommes embarqués dans une aventure funeste. Je pense que mon père avait trouvé plus qu'il n'était venu chercher. Et jusqu'à ce que j'en sois sûr, j'ai bien l'intention de continuer à faire les choses comme j'estime devoir les faire. Il me semble que ces gens essaient de nous tuer. Je sais, père! C'est une nouvelle expérience pour moi. Moi, ça m'arrive tout le temps. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a des chances qu'on soit ici. Un moment. Vous et moi. Un long... long... long, long, long... long moment. Écoutez, ce Lyle Ferguson est un vrai con. Je le connais depuis plus de 5 ans et il croit toujours que je m'appelle... Pourquoi chuchotez-vous? Taisez-vous maintenant et écoutez. C'est un crétin mondain, alors vous n'avez rien à craindre. Dites juste au gardien que Ferguson vous connaît. Très bien. Vous avez passé un moment avec lui et sa femme Shirley au Noël des Brewster l'année dernière, pigé? L'arrivage, monsieur Murtaugh. Je vous emmerde. Le sel. Bonjour, t'emmerdes, je te paye. Pouille. Ça ne mène nulle part. Oh, tu vas voir ça. Les flics ne l'ont jamais prise, tu sais. Je vais avoir des capotes sur mon bureau, des capotes dans la boîte aux lettres, des capotes dans le café, des capotes et des capotes. Tu devrais apprendre à fermer ta gueule. Mais non, il fallait que tu le dises à tout le monde. Je vais faire un tour. Faut faire confiance aux copains. Ça rentre par une oreille, ça ressort par la capote. T'es qu'un salope. Moi aussi, je t'aime. Je croyais que t'allais mourir dans mes bras, merde. Ah non, je suis pas mort dans tes chiottes. Tu crois pas que je vais mourir dans tes bras, dis donc. T'es qu'un salope. Mais c'est McFly. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Pif. C'est à toi que je parle, des sourds McFlan, espèce de crème anglaise. Oh, salut, Biff. Salut, les gars, ça va? Alors, McFly, t'as fait ma rédac?
C'est-à-dire que je me suis dit que puisqu'on ne devait pas la rendre... Allô? Allô? Il n'y a personne au bout du fil. Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Oui, d'accord. Hey, McFly! Moyen de t'avoir dit de rester là! Griff, les mecs. Comment ça va? McFly! Ouais? McFly! Quoi? Tes velcros sont défaits! Molosse? Ce nom, je l'encaisse pas. Ça me rend enragé, t'entends? Personne m'appelle Molosse. Encore moi, une espèce de mouche à merde déguisée en arbre de Noël. En fait, je ne travaille pas seul. Il y a beaucoup d'appareils ici auxquels je ne comprends rien. Je ne fais que mettre au point des systèmes. Je commande du matériel à l'extérieur à des gens plus qualifiés que moi. Je leur dis, faites-moi tel laser ou faites-moi tel analyseur moléculaire, et ils le font, et moi j'assemble le tout. Mais personne ne sait sur quel projet je travaille, au fait. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh! Eh oh! Alors oui? L'exemple type est l'effet papillon. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Waouh! Je suis allé trop vite. J'ai loupé. Je vais trop vite. Non, j'ai fait un survol. Bon, donnez-moi ce verre d'eau. Je vais vous montrer, nous allons faire une expérience. Il vaut mieux être stable. La voiture me secoue un peu, mais enfin, ça ne fait rien. C'est juste un exemple. Alors, bon, mettez votre main à plat comme dans les hiéroglyphes. Maintenant, disons qu'une goutte d'eau tombe sur votre main. Dans quel sens va rouler cette goutte, hein? Vers quel doigt, le pouce ou de l'autre côté? Les magasins ne sont jamais sympas avec les gens, ils sont sympas avec les cartes de crédit. Très bien. Arrêtez d'igoter. Ouais. Jetez votre chewing-gum. Je ne crois pas mes yeux. Quoi? Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas une espionne. C'est une pute. C'est une pute. Je l'ai ramassée sur Hollywood Boulevard. Avec ta voiture. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand il a grimpé dans la tour et qu'il l'a délivrée? Elle le délivre aussi et ils partent.